Un jour, c'était le top départ pour l'Eurovision. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous connaissons les représentants de la France au concours de la chanson de l'Eurovision. Ça me rappelle toujours des souvenirs. Dès que je l'entends, il apparaît. Alors que ça risque plus. De contrasté. Gros buzz. On connaît les représentants de la France à l'Eurovision. Ah, ils sont picards. Oh, et oh les mecs, je vous signale qu'on nous regarde en Picardie. Hein. Oui, puis ça va, trois miss. Bah ouais, qu'est-ce qu'il faut encore? Gagner la Ligue 1? Ouais, le jour où on votera par SMS. Oh, ça va, et je déconne. Soir, monsieur, dame. Et c'est qui y va? Un duo composé de deux personnes de sexes différents. Avec l'Eurovision, on sait jamais. Hein. Un solo composé de une personne de sexe différent. Il y a un temps pourri, oui, mais il y a aussi un temps pour dire les choses. Quand on a demandé à monsieur s'il était sûr de posséder la chanson gagnante, notre Picard aurait répondu « Sûr, je l'ai ». Vous avez 4 heures. Merci. Ouais, sympa, cette chanson.